tous ces Funzo dans mon sac. Ça me réjouit, mais j'en ai ma claque. Vas-y, balance-le dans le feu, pas. Ouais, qu'on en finisse avec cette folie. Ah, si j'avais eu un dollar à chaque fois que j'ai entendu ça. Je suis très fâché contre toi. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Le Père Noël vole les jouets des enfants? Pitié, Monsieur Coleman, on va vous expliquer. Je vous écoute. Cette entreprise de jouets est nuisible. Et alors, tu crois qu'une entreprise nuisible ne peut pas rendre les gens heureux? Vous voulez dire que la fin justifie les moyens? C'est une interprétation un peu facile. Eh, vous parlez pas à ma sœur comme ça. Non, Bart, il a raison, c'est un raisonnement simpliste. Possible, mais ne nous laissons pas piéger par les mots. Je crois que ce que Lisa a voulu dire, c'est... Et ainsi, Gary Coleman et les Simpson argumentèrent toute la nuit. Et quand le soleil se leva, l'esprit de Noël pénétra leur cœur. Vous serez d'accord pour dire que l'exploitation commerciale de Noël est une bonne et une mauvaise chose. Amen. Oui. Amour. Attention. Eh ben, c'est le genre de truc qu'on voit pas tous les Noëls. Ouais, c'est vrai que c'est Noël. Faut qu'on rentre. Bah, tu crois pas qu'on devrait... Monsieur Coleman, j'ai pensé à un truc. Ma femme, elle fait toujours trop de dinde farcie, de bûches de Noël et tout ça. Et... Oh, et puis zut. Vous voulez pas passer le Noël avec nous? Désolé. Je fête Noël chez mon ami Georges Clooney. Gary! D'accord, je viens. Et Gary Coleman tint parole. Quant au vieux Monsieur Burns, l'ami de Noël lui ayant porté conseil, il accepta de financer l'école avec de l'argent trouvé dans ses poches de smoking. Merci, merci, oh misère! Pendant ce temps, Mo, voyant ce que serait le monde s'il n'était pas né, sortit sa tête du four et la remplaça par une oie de Noël bien dodue. Ouais, joyeux Noël à tous. Joyeux Noël, Mo! Écoutez, j'ai un peu amoché une Jeep en arrivant. Qu'est-ce que tu me racontes là? Mais qu'est-ce que vous me racontez, vous autres?